Les boulesses, on veut des boulesses, nous. Alors, go sur Alexic Junior, match numéro 4, épisode 4 contre Green Bay aujourd'hui. Donc on a 14 000 points. Masse points. Masse points, et je pense qu'on peut même se mettre un point en speed là, non? Ah oui. Donc on passerait à 86. Ok, go. Ça coûte masse points par contre le speed. Et du coup on a plus que 90 XP. On est un peu en dash là. Ensuite, game prep. On va le delegate, voilà, comme d'habitude. Et on va partir sur notre match. Alors, chaîne FR. Oui, Morgan Denis. C'est une chaîne française. Dégage, Goskin, tu fais chier. Oh! Oh! Un nouveau follower. Morgan Denis 18. Bonjour. Cool. Yo. Oui, Morgan, bienvenue. Pas avec Dion, c'est lassant, sérieux. Non, mais je m'en fous. J'ai dit que je te donnerai 20 euros quand t'auras Garoppolo en mute. Non, mais mec, il n'existe pas. C'est là que t'es un gros connard, tu vois. Attends, il n'y a que moi qui n'ai pas en week-end ce soir. Bah oui, apparemment. Et ça s'appelle être un connard, voilà, tout simplement. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous insulter, voilà. Gratuitement, c'est pas méchant, hein. Faut savoir que quand j'insulte quelqu'un, généralement, c'est que j'aime bien cette personne. Bon, Goskin, là, je trouve que t'es vraiment un connard. Mais voilà, t'avais dit que tu l'es garder les points. Ouais, je sais, mais finalement, je les dépense. Tu sais, c'est ce moment où t'as trop d'argent sur ton compte et tu te sens obligé de la dépenser. C'est un peu ça. Ah, même moi en Angleterre, j'ai 3 jours de week-end. Maintenant, Goskins. Ah, bah oui, effectivement. Tu streames depuis quelle heure? Depuis pas longtemps. T'as besoin de quelque chose? Ah, bah oui. Oui. Ah, bah oui. Mais, effectivement. Effectivement. Ah, t'as eu deux messages. Ah, bah oui. Ah, bah c'est dommage, hein. C'est dommage. C'est qui ce returner de merde? Ah oui, c'est vrai que c'est la deuxième saison, du coup il y a des rookies et tout, ouais, c'est chiant. C'est chiant tout ça. Non, non, yo les gens, bonjour ST, hein. ST83, hein. Un habitué, comme on dit. Oh putain, on va se prendre un T. Ok. Donc à nous en attaque de revenir, hein. Donc bien sûr dans ce mode on incarne que le quarterback, donc notre quarterback en attaque. Et donc le but va être de chier sur la défense des Packers. Compliqué, hein. Très bonne équipe. Les Packers. Ok, donc ça c'était pas très folichon ce que je viens de faire. Ah tiens, on va faire ça. Insulte-moi, connard. Ah putain, il y a des sadomaso. 35 minutes. Je suis le seul lycée de France qui travaille le samedi. Bah non, 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 franchement, il y en a d'autres, mec. Genre moi aussi, je travaillais le samedi, c'était chiant. Mais que en seconde. Et j'y allais. Non, seconde première, je travaillais le samedi. Seconde, j'y suis allé trois cours, j'ai arrêté. Et en première, j'y suis jamais allé parce que je trouvais ça dégueulasse. Moi, j'avais sport en plus, tu vois. J'avais genre le entraînement de foutuesse. Et en gros, comme c'était loin de mon lycée, je pouvais pas, genre, quand j'avais fini mes cours, aller à l'entraînement. Donc j'avais fait un. Comment dire? J'avais dit à la prof d'anglais, parce que j'avais que anglais le matin en première. Je lui avais dit que je viendrais jamais à ses cours, et puis voilà quoi, c'était terminé. Hein. Je lui ai dit dès le début de l'année. Toutes les semaines, elle me demandait, elle me disait, oh, c'est inadmissible et tout. Je vais vous virer de mon cours. Oui, mais je peux pas venir, j'ai le sport, c'est plus important que tes cours de merde. Surtout que c'était une prof qui parlait moins bien anglais que nous. On a très bien. Ouais, j'étais en ZEP, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des trucs un peu. C'est des trucs un peu de. Comment dire? Les zones où t'as des élèves turbulents. Je sais pas comment ils appellent ça exactement, mais. Voilà. Les tocards, quoi, tu vois. C'est là où il y a les tocards. Voilà. C'est exactement ça. Oh, Fitzgerald! Voilà. Donc, la technique avec les Cardinals, tu joues que sur Fitzgerald, même s'il a pas de vitesse. Des mains sûres! Pourquoi 35 minutes, Killians? Donc, à travailler le samedi, c'est tellement moche. Ouais, bah oui. Dégage, tu fais chier avec ton iPod. Voilà, merci. C'est comme ça qu'il faut répondre à ma sœur. Alors,
Hello qui parle. Alors, mets-toi 600 SC. Je sais pas. Ah, mais non. Mais non, les gens. Pas de 600 secondes déjà. Oh! Trop de pression. On va courir. Attendez. Oh! Vous avez cette petite passe? C'est comme ça qu'il faut jouer. Donc là, voilà. J'allais me faire défoncer. Et au final, on gagne 2 yards. Worth it! Worth it, du coup. On va essayer de la jouer sur Brown. Donc normalement, il devrait y avoir un petit espace entre le linebacker et le corner qui va normalement être derrière Brown, qui est quand même assez rapide. Ah, quoique. Attendez, on va essayer. Et voilà, je l'avais prédit ou pas? Est-ce que je l'avais prédit? Ça s'appelle être quelqu'un de très tactique, tout simplement. Putain, je dis de la merde aujourd'hui. Ah là là, vous avez vu ce plongeon du corner? Attendez, je pense qu'il faut revoir ça. Parce que c'était tellement laid. Il faut se foutre de ça. On est obligé de se... Il n'y a pas le ralenti, putain. J'ai pas appuyé assez vite sur start. Dommage, je voulais le revoir se casser la gueule. Alex le turbulent. Ah, je suis thug aujourd'hui, je suis vénère. Bon bah le connard part, je reviens incessamment sous peu. Ah, j'aime bien ce mot, incessamment sous peu. Je trouve ça très stylé comme mot. Ouais, moi allez sur Floyd. Floyd, je crois qu'il nous avait fait un putain de match lors de l'épisode 3. Voilà. Mais en tout cas, ce que je viens de comprendre aujourd'hui, c'est que j'ai des viewers radins, hein. Bien entendu. Voilà. Voilà. Les mecs sont là tous les soirs. Je reçois zéro boulesse. Voilà. Ça s'appelle être radin. Voilà. Non, mais voilà. Au bout d'un moment. Au bout d'un moment. Au bout d'un moment. Oh putain, Ellington! Oh la course! Voilà. Voilà. Non, mais, non, mais voilà. Voilà. Moi je veux faire un PC pour faire des streams de qualité. Voilà les gens, aucun truc. 35 minutes de stream et maintenant 40 minutes. Bah oui. Ah oui, effectivement. Bien joué, monsieur Killians. Alors, on va essayer de la passer sur un des receveurs intérieurs. Tout dépend de la défense qui va être jouée. Malheureusement, je pense que ça va être de la man. Si c'est de la man, je vais la passer sur Niklas. Donc analyse, c'est de la zone. Et je sais pas quoi faire. Courons! Meurs! Ok. Bon, ça va. J'aurais pu prendre le fumble là-dessus, j'ai été assez chanceux. Bon, on sait tous que c'était juste de la technique, hein. TKT, Bilou. TKT, t'es un connard de merde. Les gens s'insultent, c'est trop bien. Oh putain, je kiffe ce stream. J'aime quand les gens s'insultent. Bestial. On s'en fout, t'as dit que t'avais une sorte de petit salaire. Dommage, on connaît pas le montant. Non mais c'est bon, hein. Je vais pas dire mon salaire, donc faut arrêter les conneries. On parle pas d'argent, hein. Mais vous me donnez quand même pas d'argent, donc je retiens. Vraiment, vraiment, moi, comment je vais finir mon PC, moi, si vous me donnez pas d'argent? Eh ben, vous allez attendre 2 semaines. Pardon. Vous allez attendre 2 mois au lieu d'un mois. Voilà. Je pourrais finir, genre, dans 2 semaines avoir mon PC fini, ou faire des streams de ouf et tout. Et voilà, mais vu que personne veut donner, ces gens ils vont me haïr. Oh non! Oh non! Putain, c'est Clay Matthews, ça, ouais. Ah, il gagne des millions! Gagne des millions, Masboulès, bah, bien sûr. D'ailleurs, c'est ma femme ici. Donc, c'est ma femme que j'ai pris en photo. Et voilà. Et on s'est dit que tous les deux, si je la mettais sur mon t-shirt, ça apporterait plus de viewers. Et donc voilà. C'est pour ça que. Le mec fou. C'est pour ça que j'ai mis ce t-shirt. Bon. Attendez, c'est pété comme tactique ça. Je fais pas ça moi. Ah, mais attendez. Si, on va. Non, on va faire ça. Ça, on va l'agrandir. Et donc, Niklas peut être libre là-dessus. Vraiment. Je le pense. Ah, il va manquer. Ah, un poil de cul de portugais. Donc un poil de cul, mais un peu plus long. Alors, frustration française. Maka, je trouve que tu es bête. Ah d'accord. Insulte de merde. Je te donne 500 euros si tu dis combien tu gagnes. Non mais bien sûr. YouTube Money. On appelle ça l'argent des abonnés. Donc laissez cet argent tranquille. Et je crois que en plus, dans mon contrat, j'ai pas le droit d'en parler. Donc faut arrêter les conneries. Et oui. Si ça tombe 500, c'est ça paye.
Si ça, ça trouve, je pense que t'as voulu écrire. Mais voilà, correcteur du portable. Ça doit être le correcteur du portable qui a écrit tombe au lieu de. Ah, c'est au lieu de trouve. Je connais. Je connais. C'est comme il y en a, genre leur correcteur est tellement chelou que ça écrit string safety au lieu de strong safety. Ah, j'ai des gens que je connais comme ça fait ça. Mais je crois que. Putain, putain. Oui, oh oui, l'ouverture. Oh oui, attendez, on va essayer un truc. Ça n'a pas marché. Bon, dommage. J'aurais quand même dû. J'hésitais entre sauter au-dessus pour faire le fou comme d'hab, ou alors le double juke move. J'ai pris la sécurité avec le double juke move, mais ça a vraiment pas marché. Dommage. Arrête demi-tour, la seule meuf à qui tu. Espèce d'enfoiré, Maca. Mais j'avoue que c'est drôle, c'était drôle. J'ai bien aimé cet humour. Oh! Putain! Oh, il a été trop vif. C'est qui? C'est Courtney Upshaw, je crois. Genre, il est au Packers. C'est la saison 2, il y a eu des trades. Non, non, non. Je sais, je suis une merde. Genre, il a un contrat, excuse-nous. Ta gueule, Alex. Voilà. Donc, la personne qui corrige mal, c'est bien sûr Hello. Et voilà, donc généralement, quand ça fait ce genre de choses, ça veut dire que c'est un mot que vous avez l'habitude d'écrire. Donc, voilà. Je vous laisse juste deviner ce que notre cher Hello écrit. Il écrit souvent ce genre de conneries, donc apparemment. Et il y a Hello qui fait exprès d'écrire string. Bah oui! C'est pour ça qu'Hello. Hello, ce connard d'Hello, écrit tout le temps string. Excellent, non? Excellent. Pas besoin de te donner, vise plutôt les 5000 ou 10 000 abos et tu nous feras de jolis placements de produits. Non, mais alors ça, c'est un truc qui m'intéresse absolument pas, tu vois. C'est pas marrant, le placement de produits. Je serai en partenariat avec Watibé. Ou oh, putain, je suis dans la merde. Attendez, attendez. Oh non! Oh oui! Oh non! Et la folie est en moi. J'avais envie de tester un truc. Je voulais revenir, revenir et lancer. Et vous voyez ou pas? Alors, donc voilà, je pense que je me mettrai en partenariat avec la Wati Boutique après. Donc voilà, ce genre de choses que j'adore, bien entendu, hein. Ce connard d'Elo. Non mais, bien sûr. Comme je l'ai dit, et notre cher ami Hello le sait, généralement quand j'insulte quelqu'un de connard, ça veut dire que je l'aime bien. Salut Lil Sky, comment vas-tu? C'est pas marrant, mais quand tu vois le chèque qu'une appli mobile te donne. Ah ouais? Qui connaît Chris Poisson fécond? Non, je connais pas ce genre de choses, je suis désolé, mais. Non, c'est pas. Non. Non, 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 tocard, va. Non mais please. Quelle année tu t'autorises à dire à m'insulter de tocard? Oh oui, putain, Ellington est pas mal chaud. Hein. Je crois que Gore est blessé du coup parce que depuis le début du match, on a Ellington sur le terrain. On est plutôt en bonne position là, c'est nice. Avoue, t'as genre une marque comme Nike ou Adidas qui te demande, tu diras pas non. Oh, je sais pas. Under Armour, j'aime bien, tu vois, donc à la rigueur. Oh putain, non, interception. Voilà, ça c'est la. Voilà, c'est comme je l'explique à chaque fois, c'est la malédiction du bon joueur. Donc quand vous êtes en bon joueur, vu que vous ne contrôlez pas les receveurs n'attaquent pas leurs balles et souvent vous faites intercepter comme un connard, comme ça. Voilà. Mais non, mais je ferai pas de placement de produit. Hello, t'es un connard, alors je t'apprécie. Mais c'est exactement ça. C'est comme ça que ça marche la vie. Quoi, avec moi en fait. C'est sympa, tu vois. Oh, attendez, Griffin, si c'est de la man là, oh lolo. Malheureusement, du fait de la corner, la couverture des corners, je doute que ce soit de la man. Oui, exactement. C'en est pas. Mais bon, on va pouvoir faire ça. Ah bah, ben, on s'est fait défonce. Mais non! Mais c'est impossible ce qui s'est passé. Il y avait une chance sur 100 que ça arrive. Attendez, revoyons. Revoyons. En fait, j'essaye d'appuyer au moment où l'instant triplé va être disponible. En fait, ce qui s'est passé, bon, je vous l'explique parce que voilà, c'est un jeu de merde. Du coup, une fois que t'as passé l'action, tu peux plus revenir sur le replay. C'est excellent. Donc j'ai sauté, j'ai fait un salto. La balle est partie en l'air.
Le mec l'a intercepté pendant qu'elle était en l'air. Sans déconner, fallait qu'elle arrive dans ses mains, quoi. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Je pense que Madden est en train de me chier à la gueule. Et voilà, et donc Green Bay marque. On a joué avec la folie. C'est ça le truc avec la folie, c'est que vous ne pouvez pas tout le temps réussir, malheureusement. Et là, j'ai pas trop eu de chance. Donc bon. Allez. L'extérieur. Là, tu breaks le tackle. Si t'es un bon, malheureusement, non. Merci de m'avoir snobé, je retiendrai. Non mais bonjour Aria, je t'avais pas vu, je suis désolé. Salut Aria. T'avais fait une vidéo avec placement de produits pour Lovo. Ah, il avait fait. Bon, certes, il a 500 000 abonnés. 10 000 euros. Ouais, mais bon, écoute, mec. Hein. Oui, il pourrait offrir de jolis trucs de foutu US. Hashtag le gratteur. MDR, 10 000 boulesses. Et t'y as cru. Machiavelli, faux espoir. Le gars doit être bien. Vous êtes des malades. Putain. Comment tu peux dropper ça? En quelle année? Hashtag en quelle année? En gros, si je dis que Hello est un type bien, je dis que je ne l'aime pas. En plus, je mens en disant ça. Oh là là! Bilou, petit cachotier. Putain, y a trop de gays hein, maintenant sur ce stream. C'est un stream avec plein de petits poneys. Il y a plein de petits poneys de partout. Des arcs-en-ciel de lumière. Des Hello Kitty. Voilà. On s'amuse, on s'amuse. Non, en gros, si tu dis ça, Bilou, ça veut dire que tu l'aimes bien aussi. Pour moi, pour dire que t'aimes pas quelqu'un, ça n'existe pas. Moi, j'aime tout le monde. Et si j'aime pas une personne, je dis rien en fait, généralement. Je suis comme ça, moi, je garde ça pour moi. Oh putain, j'ai été bon. J'ai été vraiment pas mal là-dessus dans ma poche. Alex. Alex le milliardaire qui fait crari. Non mais please. J'ai que dalle d'argent. Lol, mais. Hello, tu connais le prix d'une pub sur une vidéo qui va presque, à coup sûr, toucher minimum 500 000 personnes. Mais oui, c'est parce que les. Attends. Je suis concentré là. Ouais, c'est parce que tu touches tous les tocards avec ce genre d'application. Il délire, Alex. Ben oui, il faut délirer, les gens. Si on délire pas, on s'amuse pas. Je vous en. Ben oui, Flash Chris. Tu vois, quand tu dis ça, c'est. Ça veut dire que tu nous aimes. Ça paraît bizarre, mais ça veut dire que tu nous aimes. Putain, putain, ça pue la merde avec le blitz du corner. Par contre, là, je suis dans la merde. Ah! Voilà pourquoi je dois augmenter le carrying. Je crois qu'on va vite l'augmenter. Parce que les fumbles, ça commence à me. Connard est de retour. Ah, nice. Goskin est de retour pour jouer un mauvais tour. Je connais surtout des youtubeurs qui ont deux fois plus d'abonnés et je connais leur salaire. On s'en fout des salaires des youtubeurs. Qu'est-ce qu'on en a à foutre, sérieux? Ils font ce qu'ils veulent. L'argent, toujours l'argent. L'argent ne fait pas le bonheur, pute. Eh, je me fais massacrer. Hein. On perd 13-10 en plus. Concentration max, le comeback. Attendez, on va revenir. Donc là, je fais ce genre de play, genre ça. Là, on prévoit que. Non, on prévoit pas. Ah, c'est la merde. Attendez. Je dois faire quoi contre ce genre de play? Je peux rien faire. Je peux rien faire. Clématous, il est trop chaud. J'ai fini ma play action. Le mec, il est arrivé sur moi, quoi. C'est horrible. Oh, il y a de la zone à spot. Nice. Attendez. Ça, vraiment. Bon, on n'aura pas le first. Mais là, je contre-oxais du poney. Vraiment. Eh, je prends trop cher. C'est un truc de ouf. Bon, les gens. Il faut que la puissance vienne en nous. Je vous propose une. Oh, putain. Non, mais vous êtes grave là. Là, Riggin, je n'accepte pas ce que tu viens de dire. Est-ce que t'as hâte de recommencer le foutu S? Bien sûr. Là, je suis en train de m'entraîner. J'ai couru 10 km tout à l'heure. Avec une moyenne de 11 km 5. 11 km heure 5. Donc, vraiment pas mal. Alors, vous êtes tous des enculés. Merci! Merci beaucoup. Moi aussi, je t'encule. C'est-à-dire que je t'aime bien. C'est-à-dire que je t'aime bien. Alors, j'ai cru que j'allais devoir insulter les riders. Pour dire que je les aime, bien sûr. Mais quand t'as pas d'argent, ça se sent. Mais non! Mec, il faut pas d'argent pour être heureux. L'argent, ça fait que le malheur. Les gens se tuent pour de l'argent, de nos jours. Et oui.
Et oui, les gars dont je te parle, ils en vivent aisément et ils passent des pubs tout pareil. Ouais, bah écoute, ils font ce qu'ils veulent, hein. Ils ont bien raison d'en profiter. Les mecs, ils ont une chaîne qui marche, ils peuvent se faire de l'argent avec. C'est de l'argent, quoi. C'est pas de l'argent facile parce que tu taffes quand même derrière. Mais ils ont raison d'en profiter un minimum, quoi. Parce qu'il y a plein de gens qui ragent sur les salaires des grands youtubeurs et tout. Mais la plupart des gens feraient pareil et voilà quoi. Ils ont plus ou moins raison. Sachant qu'avec une diff, ils ont rentabilisé le truc 10 fois. Bah oui. De VMA. Non, 11,5 km/h. Attendez, putain, ce connard de merde, il va encore me rattraper. Avec Clay Matthews, il me vénère. Avec Clay Matthews, il me vénère. Vous savez quoi? Il reste 2 yards, on va la jouer. On va se mettre en mode Chip Kelly et on va la jouer. Attends, est-ce que c'est la... Putain, je me souviens plus, c'est quoi la VMA? Putain, le mec a fait des études de sport, il s'en souvient plus, quoi. Tu l'as, mec. Tu l'as, merci. Good job, Brown, sur ce petit tracé de China. Alors, l'argent ne fait pas le bonheur. Hashtag Alex, 20 ans et vit chez ses parents. Bah, bien sûr. Bien sûr. Pour l'exemple de poisson féconde, c'était 10 000. Non, mais on s'en branle. Ah! Bonjour, l'éponge. Mais non, je t'ignore pas, mec. Regarde. J'ai vu ton message direct. Oh, putain, c'est la merde. Je savais pas qui l'affaire là-dessus. Par contre, là, on joue vraiment pas très bien. Mais c'est voilà, c'est parce que je vous parle encore. Vous me déconcentrez tellement. Tu l'as... Oh non, mais elle est très bien lancée. C'est juste qu'il fait pas l'effort, encore une fois. Oh, ça m'énerve! Ça m'énerve si je l'attrape. Alex, arrête, on s'en branle le droit. Ouais, bah si vous voulez. Mais bon, je trouve pas ça très intéressant et très constructif comme débat, hein? Combien d'argent gagnent les gens, t'en as rien à foutre en vrai. Moi perso, j'en ai rien à foutre, tu vois, par exemple, de combien gagnent les gens, ils font ce qu'ils veulent. Très bien. Il y a des gens qui font rien et qui gagnent énormément dans leur vie, bah, tant mieux pour eux. C'est pas mon problème, j'avoue que c'est inadmissible, mais. Putain, putain, hé, ils me vénèrent avec leur défense de. Putain, j'étais là chercher celle-là. Hein. Je l'ai vu au dernier moment. J'allais courir en fait à la base et je me suis dit, ah, mignonne la petite passe sur la touche là. Du coup, j'ai lancé. Ah, on va tâter un peu de course. Goskin, tu sors. Faux. T'es sœur l'éponge. L'éponge a osé. J'ai jamais réussi à écrire en entier Hello. Ah. Ben oui, moi je le fais à chaque fois aussi. Ça, je vous dis. Parce que sinon, Hello il se vénère. Et après, vous allez vous faire défonce. Merci des retours positifs. Trop de difficultés pour moi, pour une fois, que Hello. Tu peux écrire Hello, s'il te plaît? Et le gorille parle pas de leur vie de couple. Oh là là. Tu vas te faire défoncer, Maca. Tu vas te prendre un 600 SC, je crois. Tu connais des magasins de maillots NFL à Bruxelles. Vous êtes bizarre, quand même. Il n'y a que Internet. Touchdown sur ce magnifique drive. Et du coup, on repasse devant. Est-ce que notre défense va tenir? Telle est la question. Yep, nice. On va essayer d'en remarquer un même. Moi, j'aime bien l'éponge parce que c'est quelqu'un d'assez carré. Putain. Ça, c'était assez drôle quand même. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Non, les blagues de merde, j'aime bien. Alors. Vous allez mourir. Ah non, mais ils vont mourir. Ils ont pas compris. Voilà, ben oui, Riggins, il connaît, c'est quelqu'un d'intelligent.
Tu vois, genre, même moi, Gori, tu vois, si je veux, là, je te banne. Moi aussi, je peux faire ça. Hein. Sauf que moi, je peux pas faire comme les modérateurs, c'est-à-dire ban 600 secondes. Moi, si je banne, c'est à vie. Putain, ils me font chier, sérieux, ils me font chier. Je vais encore faire un vieux fumble. En fait, leur couverture me nique derrière. Et devant, c'est pas mieux en fait. Au-dessus de Paris, je connais pas, c'est comme Game of Thrones, c'est des sauvageons. Des barres. Tu joues au foot US NBA? Non, on a surtout compris qu'il a pas de second degré. Oh non! Oh non! Oh non! Putain, c'était le break là. Salut, salut Yanyak. Yanyak. Je sais pas si je dis bien ton pseudo. Salut à toi. NBA, non, on connaît pas, mais en allant en ville, il y a moyen d'en trouver chez Direct Sport ou Intersport. Ah, Intersport, je pense pas, mec. Hein. Franchement, tu perdrais un follower et à ton stade, c'est encore précieux un follower. Non, je m'en branle. Hein, je m'en branle, le gorille. Alors, Décathlon. Ouais, moi, à Décathlon, une fois, j'ai vu un maillot. Ah, putain, ils ont marqué. Les gens, c'est le moment. Les Packers ont trop régné sur ce championnat. Ils ont volé notre pain, notre saucisson. Ils ont violé nos femmes et nos enfants. Et cela ne peut plus durer. Les gars, John Brown, Larry, Michael, toute ma O-line, parce que je connais pas vos prénoms. Je suis un connard, je suis un connard de quarterback. Ellington, je lui donne un petit surnom. Nous devons de défoncer ces Packers. Non mais hey, ils font chier sérieux, hein. C'est pas possible d'avoir une défense comme ça quoi. Concentration, peut-être la première défaite de la saison. Ah, four vertical, on est obligé. Allez, plus aucun respect. Aucun respect pour l'habitant terre. Allez. Allez. Mon deuxième brand. On accélère. 25 secondes, les gens. On va jouer une wide receiver drag. C'est y part. Pff, 11 secondes. Alors, vie de merde. Concentration totale. Concentration totale. Alors, en fait, le problème, c'est que voilà, j'ai pas des receveurs rapides. Et du coup, ça va être de la merde. Et j'aurais dû utiliser mes temps morts avant parce que là, il reste 11 secondes et ils vont me servir à rien. GG Alex. GG Alex, là, j'ai vraiment pas géré. Je crois qu'on va être obligé de faire un truc dégueulasse comme ça. Et là, ça va blitzer. Je vais me prendre un blitz à droite de l'autre connard de merde. Non, même pas. Ah bah oui, d'accord. Ok, 5 secondes. Oh, nice. J'avais pas vu le temps. Bon, bah, all mérite, les gens. Hein. Donc là, ce qu'il faut, c'est que je reste. Bon. Allez. Ça peut arriver. On attend, on attend. Ok. Point, 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 point. Bon, on peut pas faire des comebacks de folie à chaque fois. Mais bon. Les vagues de temps mort en approche. Même pas, je les ai pas pris comme un connard. Donc c'est de ma faute si on a perdu. Ah, j'ai tellement mal joué. Putain, première défaite de la saison contre les têtes de fromage. Aïe aïe aïe, j'ai mal joué. Putain, on a mené en plus pendant presque tout le match. Après, ils nous sont passés devant et on n'a pas réussi. Hein. Ah, c'est mauvais ça. C'est mauvais. Voilà, première défaite. Ce match, je voulais pas vraiment le gagner. Mais non, mais j'étais concentré à lire vos commentaires donc.
Non mais surtout, ils donnent des boules à soupa parce que personne ne donne de